plus grandes métropoles d'Europe. 15 fois Paris en superficie, 7,5 millions d'habitants. Londres, la capitale britannique, n'a pas fini de faire parler d'elle. Kate et William, les émeutes de cet été, le jubilé de la reine ou encore les JO de 2012, Londres, la ville au bord de la Tamise, est plus que jamais sous les projecteurs de la planète. Alors quoi de neuf dans la capitale britannique? Une ville que je vais explorer pour dénicher les tendances urbaines et modes de vie émergents. Bref, tout ce qui buzz. Vous avez des drôles de chapeaux, dites donc. Vous êtes déguisés en quoi? Nous sommes les joyeuses craftivistes de Robin des Bois. Enchantée. Bon, alors ce soir, je suis avec les craftivistes. Craftivist, c'est un mélange de craft et de activisme. Nous sommes donc des craftivistes. Pas des activistes qui font peur, mais plutôt de gentils activistes qui font des trucs mignons. Comment ça pourrait être moins mignon que ça? Ce soir, nous allons faire des mini-banderoles de protestation qu'on va accrocher près de certaines banques dans Londres. On veut que les banquiers les voient. On leur demande de soutenir la taxe Robin des Bois pour s'assurer qu'on a de l'argent au Royaume-Uni et partout dans le monde pour soutenir les gens les plus vulnérables. Tu connais cette taxe? Eh bien, ce que je sais sur la taxe Robin des Bois, c'est que c'est une taxe sur les transactions financières. Oui. Vous savez, tous les jours, partout dans le monde, des banquiers et des courtiers font d'immenses profits. Si on percevait seulement 0,05% des transactions, en une année, on pourrait recueillir 650 milliards de dollars. C'est la taxe Robin des Bois, et l'argent servirait à soigner le monde en crise. Please encourage bankers to help turn a global crisis into an opportunity for the world. Quel programme! On a un manifeste qu'on suit scrupuleusement pour s'assurer qu'on reste concentré dans une direction, la lutte contre la pauvreté et le non-respect des droits de l'homme. Est-ce que c'est une façon plus féminine de militer? C'est plutôt une réaction aux manifestants qui font peur. Ce n'est pas féministe, c'est plutôt une manière sympathique, mignonne et pacifique de militer. J'adore ce que vous faites. On ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent penser, on essaie de parler de ce qu'on fait. La plupart du temps, quand on court dans le train, par exemple, ou si on est dans un endroit public, les gens viennent nous voir et nous demandent ce qu'on fait. C'est plus engageant que si on avait un mégaphone pour leur dire ce qu'ils devraient penser. Du coup, on peut vraiment parler des sujets qui nous préoccupent. Si j'ai bien compris, c'est devenu un passe-temps national de coudre et de tricoter ici à Londres. Oui, c'est assez à la mode maintenant. À chaque récession, il y a un engouement pour la couture. Si tu regardes l'histoire, beaucoup de couettes étaient cousues à la main, par exemple après la guerre. Chacun reprisait ses chaussettes. C'est votre cas, les filles? Moi, j'ai toujours été fauchée. Quand les banquiers passeront devant, ils pourront les lire. En fait, c'est un peu comme de l'art de rue politique. Oui, c'est un peu comme du graffiti, du tag, mais en plus mignon. Les gens prêtent plus attention à quelque chose qu'on a mis du temps à faire. Art tricot au pochoir du célèbre Banksy, l'art de rue est partout à Brick Lane et Shoreditch. Les quartiers de l'est de Londres sont indéniablement artis.